Bonjour tout le monde, comment vous allez? Certes, Thomas, toujours bien de se retrouver ici pour une nouvelle vidéo sur Minecraft très dangereux. Je vais. Donc, si vous connaissez la. Et oui, c'est moi, c'est le même avec Ahmed, ouais, ok? Avec moi. Ici, moi, je veux l'aider. Je vais jouer à la creepypasta, frérot. Oui, la creepypasta. Je peux parler? Non, pas dans... encore. Parce que la creepypasta, si vous ne savez pas, c'est quoi? Ben. Déjà, la creepypasta, c'est quelque chose de... Ah, moi, je peux parler là-bas. Oui, pas... Oui, les amis, je veux pouvoir l'aider et survivre. Une fois, dans Roblox, je l'ai aidé beaucoup. J'avais survécu beaucoup. Creepypasta, c'est quoi? C'est un virus. Et en plus, j'ai aidé beaucoup, les amis. Si, tu veux parler. Si t'es pas son ami, de pute, ok? Et ouais, j'ai mis des débiles, des fois. Alors, on met 666 et on crée. Ouais, je suis vraiment débile. Tout ça, c'est ninja. Ninjax, ouais, alors bute-le, Ahmed. Je ne sais pas parce qu'il peut disparaître des fois. Mais moi, je peux voir bien. Je peux aller partout, partout. Tais-toi. Non, en tout cas, je suis vraiment stressée. Ok. Là, je suis dans le monde de la creepypasta. Ok. Attends, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'un youtubeur là. Ok, j'ai peur parce qu'il y a un autre virus qui ressemble tellement à la creepypasta, mais il est en noir et ses yeux sont rouges. Et là, devinez, je suis un vrai bâtard, ok. Et ouais, voilà. TP espace 666 espace 666. Voilà, je me suis fait TP. Mais je vois rien. Je suis un personne. Attends, là je peux en descendre. Je peux pas parce que je me suis fait tout TP. Comment se promène? Ah, voilà. C'est vrai, c'est ici où habite la... C'est vrai, c'est trucs en rouge. C'est ici où habite la creepypasta. Je suis content que je... Il ressemble à une forêt de sirène, tu vois pas, Ahmed? Tais-toi, j'en ai marre de sirène head. Je cherche la creepypasta, frérot. Hein. Le virus. Oh my god, j'ai vraiment peur. Je crois que je l'ai vu. Il a disparu. Je l'avais vu courir par ici, il a disparu de sa mère. Tais-toi. En tout cas, je ne sais pas si c'est un bot. En tout cas, si vous écrivez N-I-G-G-A-X, vous allez voir la creepypasta. La première vidéo, normalement, ça devrait être la première vidéo, vous allez voir un gabelon et en haut, il écrit virus. Ok? Vous appelez dedans, frère. T'es foutu. Regarde, il va vraiment parler. Il va aussi montrer ses vieilles vidéos. Frère, j'ai flippé dans sa miniature. Comme ça, là. Et c'est comme ça qu'il va arriver, frère. Tout le monde flippe. Alors là, je vais me poser ça pour trouver la creepypasta, frère. Moi, je veux que tu te répondais pas. Calme-toi, Samuel, ça va être long de le trouver. Je stresse trop. Wow, peut-être qu'il peut être ici. Il existe pas. Mes frères, ici, c'est con. Ah oui, il faut... Stop. Tais-toi, je vais prendre plein de choses. Allez, ça. C'est la creepypasta incroyable. Alors, c'est qui la creepypasta? Ben, c'est un fantôme avec... Un fantôme, carrément, non, frère, non, t'es con, toi. En fait, c'est pas un fantôme. Non, mais il a un don et il a une bof qui sort. Oui, mais juste, tais-toi. Je cherche vraiment la creepypasta, frérot, je la trouve pas.
Je vérifie vraiment en arrière de moi là. Si vous voyez Ninjax là, vous voyez les mobs sont, les creepers sont invincibles. Vous allez voir quand il va montrer les creepers là, genre comme il prend 5 creepers ou 4, vous allez voir en haut à gauche, et vous allez voir un peu de neige, vous allez voir un homme en blanc. Ok? Si vous ne savez pas c'est quoi. Ouais. Oh my god, les vaches m'ont fait peur, frère. Désolé. Oh my god. Oui, je suis à 3%, je tourne cette vidéo. Mais bon. Ouais, il est... Désolé. Je pense qu'il y a un bug de merde. Frère, je veux vivre. En tout cas, ne faites jamais ça chez vous. Oh my god. Attendez. Je vais rire quelque chose. Eh non ! Attends. TP. R. Toi. Max. Attendez. Attends ! R. Toi. Max. En fait, c'est qui, Max? C'est ma chaîne YouTube. Ah oui, je me rappelle. Pasta. Alors, c'est écrit quoi ici? Comment ça? Mais ton vidéo est pas. Oh là là, d'après, je devrais mieux voir. Donc, à quoi ressemble la creepypasta? Bah, je sais à quoi elle ressemble. Mes frères ne faisaient jamais ça. Sinon, je vais arrêter ma chaîne YouTube. Hein. Je vous le dis. Vous le faites, vous êtes mort. C'est juste moi. Parce que là, je veux vous faire plaisir. Mais c'est dangereux. Ok? J'aimerais pas que vous mouriez ou je ne sais pas, il arrive des problèmes. Alors, j'avais vraiment peur. Mais en tout cas, je vérifie derrière moi. Ok. Frère, je vérifie tout l'angle de moi. Bon. Selman, arrête de bouger. Tu me fais perdre mes piles après. Parce que la tablette est chargée, c'est pour ça qu'elle est au chargeur. Et en plus, elle est à 3%. Ouais, on aime Airtomax avec ses ninjas débiles. Et l'intro de Ninjax. Wesh wesh canapèche. Je trouve pas la creepypasta, frère. Attendez, désolé, mais il faut que je le fasse. Vite. Désolé. Voilà. Ça devrait marcher, non? Ah oui. Oh. Oui, mon frère. Regardez, c'est ça la creepypasta, les amis. Regardez. Attends, non. Après, je vais vous montrer c'est quoi la creepypasta. Attendez, je vais tout de suite la montrer. Bon, les amis, je suis sur ouais, la chaîne de Ninjax. Voilà. Voilà le virus. Hein. Il faut faire attention. Hein, parce que c'est vraiment dangereux. Doodle TV is a family-centric free streaming service for kids. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me suit depuis 2 semaines, qui est extrêmement creepy. Oui, je vais vous parler du skin blanc qui me suit dans mes vidéos. Donc, asseyez-vous confortablement, allez vous chercher du popcorn, car aujourd'hui, on passe en mode détective et on va essayer de résoudre cette enquête. Pour ceux qui demandent, oui, je suis sur Celestia, d'ailleurs, voilà, j'avais envie de faire une vidéo ici. Voilà, c'est tout. La mise à jour Minecraft. Donc dans un premier temps, je dois vous contextualiser la chose. Il y a environ 2 semaines, quand j'ai fait ma miniature pour la vidéo Minecraft, mais tous les mobs sont invincibles, j'ai remarqué une chose très bizarre. Effectivement, au milieu de la miniature, il y avait un skin tout blanc, avec un sourire qui me fixe. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à flipper. Je pense que vous savez pourquoi. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était rien, puis j'ai envoyé la miniature à mes potes. Pour eux, ils étaient formels. Il y avait bien un mec au milieu qui me fixait. Il y en avait qui disaient que c'était des arbres, d'autres que c'était un bonhomme, mais il y avait quelque chose. Et ça, c'était plus flippant.
puis à ce moment-là, je me suis dit, il n'y avait plus aucun doute. Il y avait bien un mec au milieu de ma miniature qui est dans mon monde Minecraft pour faire ma miniature. Parce que oui, j'utilise Minecraft pour faire mes miniatures. J'ai donc décidé de retourner sur ce monde en question parce que je ne l'ai pas supprimé. Puis voilà ce qui s'est passé. Comme vous pouvez voir, c'est ici que j'ai fait la miniature avec le lac de lave là. Et normalement, il est là-bas, là où je pointe ma souris. Le truc, c'est que si vous regardez, il n'est pas là. Oh mon dieu, il était dans le trou ici là. Il était juste là. Frère, ça fait flipper de ouf. Frère, ça fait vraiment flipper de ouf. Non, il était juste là dans le trou là. Oh, à me regarder. Là, j'en suis sûr, si je cherche, hein, je trouve pas. Hein, je trouverai pas. Hein. Ah, je te jure, ça fait flipper. Désolé. Non, putain. Casse-toi, ma cube. Désolé. Laisse-moi faire ma vidéo. Casse-toi. Oh putain, c'est vrai que ça se duplique ça. Comme les slimes à la con là. Mourez, mais mourez. Plus tard, dans cette même journée, j'ai donc sorti. Bon, tout le monde. Je suis allé sur Minecraft. J'ai écrit Creepypasta sur YouTube. Et là, je devrais. Ouais. Là, je vais écrire. Voilà. TP. Max. Espace. C. R. E. E. P. Y. P. A. S. T. A. Attendez. Ah, voilà. 3, 2, 1. Alors, il n'est pas ici. Frère, il devrait être où dans une vidéo d'un youtubeur, je sais pas. Attendez, je vais installer un truc. On revient très. Bon, je suis allé sur quelque part. Je vais écrire Creepypasta. Attendez. Ok, bon. Alors, je suis obligé de l'écrire. Ça, c'est. Voilà, la creepypasta. Voilà. Mais pourquoi il y a une creepypasta tout con? C'est dommage. Espagnol. Parce que là, je veux. Oh! C'est comme ça que Ninjax fait. Bon, je l'installe. Pour faire quoi, mais. Oui. Non, mais me dis pas des mauvais mots, mais dis-moi pourquoi. Pourquoi tu vas installer, il va avoir un comme ça. Désolé, mais je ne sais pas si je dois le faire, frérot. Regardez, s'il y a plus que 5 pouces bleus, oui, je sais, j'ai juste 3 abonnés, mais vous êtes capable, j'en suis sûr. Je vais installer la creepypasta, ok? Ouais, je suis un vrai malade, mais désolé, il faut que je le fasse. Hasta la vista. Quand je suis revenu sur Minecraft, on va toujours chercher la creepypasta. J'ai une épée qui m'accompagne, frérot. Ah, ce trou là, j'en ai jamais vu pareil. Je vais prendre des lampes torches, frère. Guide, voilà. Ah non, ça n'a pas beaucoup comparé à celle-là. Hein. Je le sens vraiment, vraiment bizarre. Attendez-vous à tout, ok? What? Il y a deux parties. Wesh, là-bas, il y a la lumière, frère. Frère, je suis en train de flipper. Ici, il y a un trou. Je regarde tout autour. Ah. Mon frère, il me raconte des histoires. S'il y a un trou, ok. Ok, non. Les potos, je m'échappe d'ici. Ce sera une autre vidéo. La prochaine vidéo, ce sera que je cherche la creepypasta. Je vais même. Ah oui, il m'a fait peur, le mec. Comment moi je vais dire. Frère, il m'a trop fait peur. Bon, les gens, c'est la fin de la vidéo. Je vais pas ajouter plus, désolé. Il faut.